Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Sushi TV, ici Mister Sushi et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le déballage, non pas d'un mais de deux colis. Cette vidéo sera faite en deux parties. Première partie pour le premier colis et ensuite voilà la deuxième pour le deuxième colis. Il n'y a pas beaucoup de choses dans ces colis en fait, c'est en tout il y aura deux jeux. Donc un jeu par colis que sur des consoles Sony. On verra bien ce que ça nous donnera. Allez, c'est parti. Et donc, pour ce premier colis, c'est voilà cette taille-là qui provient d'un échange que j'ai fait, que je retiens à remercier déjà à la personne avec qui j'ai fait cet échange et Blobloor qui m'a informé de cet échange, enfin que la personne échangeait certains jeux. C'est un jeu à l'intérieur Vita. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, cet échange, ouais, ça s'est fait via Twitter. Via Twitter, c'était 8-7 semaines, hein, ça fait même pas une semaine hein, pour conclure tout ça. On a un petit mot de iWebGirl, voilà. iWebGirl. Qui est une blogueuse. Alors, hello, merci encore pour cet échange, en espérant que le jeu te plaira. La jaquette est trompeuse, mais le jeu est bien. Non français. Ah. À bientôt. Donc, voilà, ça se présente, voilà, comme ceci. Donc, il s'agit de Dokuro. Oh, bon, c'est un jeu japonais comme vous pouvez le voir, hein. Zero-A. C'est mon premier Zero-A. Hein. Mes précédents jeux PS Vita japonais, donc ce sont que des Zero-D. Et à l'intérieur, nous avons pas grand-chose, hein. À part de la pub pour. Alors, à part oui, beaucoup de pubs et. Ceci, une notice de comment on. Retire le jeu de la boîte. Donc dans les pubs nous avons en premier lieu de la pub pour Ragnarok Odyssey Ace. Ensuite ouais, en fait, c'est que des pubs pour la série Ragnarok. Que ce soit sur PSP, sur mobile. Voilà. Et derrière, on a Emile Chronicle Online. Ragnarok Odyssey. Voilà. La cartouche hein. Bien sûr bon. Il n'y a pas de jaquette réversible ici. C'est un jeu d'action si je ne me trompe pas. Et s'il y a la langue française, c'est plutôt pas mal. Pour un petit jeu Jap qui a la langue française, il n'y en a pas tant que ça. Et puis ça me fait un nouveau jeu PS Vita pour ma collection. Bref, sur ce premier colis est déjà terminé. On va passer maintenant au deuxième colis. Si j'ai j'ai les habits qui changent, c'est normal parce que à l'heure actuelle je ne l'ai pas encore reçu. Mais je n'allais pas faire une vidéo pour seulement Dokuro. Voilà, j'ai préféré faire ça pour plusieurs jeux. Allez, c'est parti. Et donc nous voilà dans cette deuxième partie avec le second jeu. Voilà. Qui se présente dans une petite enveloppe assez fine hein, pour du jeu PS4. Je crois savoir quel type de jeu c'est. Au vu de la taille, il n'y a pas 50 000 types de boîtiers différents sur PS4. Il n'y en a que deux. Sans compter les steelbooks, bien sûr. Donc, à l'intérieur, nous avons. Un petit mot. De gros Nemo que je remercie pour son concours. Des cartes de visite de gros Nemo. 4 plus précisément. Et voilà, en version promo PES 2004, enfin 2015. Par contre, le boîtier est fêlé.
C'est pas grave, ça, j'aurais juste à changer. Donc oui, comme vous pouvez le voir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, PEGI 4. Qu'est-ce que PEGI 4? C'est la version portugaise de PEGI 3. C'est donc une version promo. Donc, ça me gêne pas trop. Bon, même si avec une un boîtier classique, ça aurait été pas mal. Mais bon, vu que j'aime bien les jeux promo, ça ne me gêne pas. Donc voilà, hein, cette vidéo est déjà terminée avec ces deux déballages de colis. Le premier qui était donc Dokuro dans la première partie et dans cette seconde partie PES. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!